Oh,
Boeteni ya mibale, molongo mazomi na moko, kino zomi na minei. Na litangi ya ibale bakoloba na biso, Nzambe Tata alakisi biso bolingi bwaye, awa atindeli biso mobikisi. Toyamba ye na nsayi omitema, na bukebi penza, toyoka litangi ya ibale. Nzambe, liziba ye liki ya bato pansan, esili emunoni. Yango elakisi biso te, totika masumu, Beto boya posa iso ya mabe. Mikolomie, tofanda na botebi, na bosembo, mpe na bobangi Nzambe, awa tozali kozila na elika enene, bomimonisi mwa nkembo ya Yesu Kristu, Nzambe wa biso monene, mpe mobikisi wa biso. Pote abikisa biso mabe mwanso, mpe apeto la biso, mpoto koma bato baye penza, bato bakoluka se kozala malamu.
Yeah.
devant le cri malheureux, nous avons la certitude de foi
des acteurs politiques, quelle que soit leur divergence, à se dépasser pour travailler ensemble à la promotion du bien-être de tous, pas seulement pour quelques-uns. Je les exhorte à ne pas prendre plaisir au malheur qui s'abat sur leurs frères et sœurs. Il y a des comportements parfois cyniques que nous notons chez certains de nos compatriotes, notamment une certaine classe politique, on dirait, qui prend plaisir à se réjouir pendant que le gros du peuple pâtit dans la misère et n'a même pas de quoi se vêtir ou manger. La liturgie de la parole de Dieu de ce jour nous invite à entrer dans la dynamique de la lumière pour vaincre les ténèbres de notre vie. Toutes les souffrances qui s'abattent aujourd'hui sur notre peuple, ce sont le fruit des fils et filles des ténèbres. Avec la fête de Noël, c'est le règne de la lumière qui surgit au milieu de nous, au milieu de notre obscurité. Dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce la fin du règne des ténèbres qui couvrait Israël et qui continue aujourd'hui à couvrir notre pays. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé, on couvrait d'opprobre le pays des Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine au-delà du Jourdain. Isaïe 9, 1. Le temps des ténèbres, c'est la période d'humiliation du peuple d'Israël, dominé par les étrangers. C'est aussi cette période que traverse aujourd'hui notre peuple. Période de souffrance, période d'humiliation, période de soucis permanents. Le Messie annoncé par le prophète Isaïe et qui naît au milieu de nous aujourd'hui vient justement mettre fin à ces atrocités pour inaugurer la nouvelle ère marquée par la libération du peuple et la restauration de sa dignité. C'est l'image qui apparaît dans l'Évangile. Les bergers qui gardent leur troupeau dans la nuit reçoivent la lumière, c'est-à-dire l'annonce de la naissance du Fils de Dieu dans notre nuit. Luc 2, 8 à 9. Au cœur des préoccupations troublantes et le souci de ce monde qui peuvent gravement nous aveugler, la naissance de Jésus-Christ au milieu de nous se présente comme le surgissement d'une lumière qui éclaire toutes les nations. Quiconque le suit, quiconque l'accueille, ne marchera plus dans les ténèbres. Jean 8, 12. Nous devons, chers frères et sœurs, nous devons marcher vers la lumière. Dès lors que Jésus-Christ est né, l'enfant Jésus est au milieu de nous, la lumière de l'Emmanuel est plantée.
la présence du Sauveur ne laisse pas le berger inactif. Nous avons entendu dans les mensonges. Dès que les bergers entendent l'annonce de la naissance du Fils de l'homme, ils se mettent en mouvement. Ils sont poussés à aller à la rencontre de la lumière du monde. Lorsque les anges les eurent quittés, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Luc 2, 15. C'est cette démarche de la conversion, de la mise en mouvement vers la lumière qui caractérise la célébration de Noël. Célébrer Noël, c'est aussi prendre la résolution de se mettre debout comme les bergers et faire le mouvement vers Bethléem, où l'enfant Jésus est reposé dans la crèche. Cette lumière est venue justement pour nous éclairer, et un peu comme les oiseaux et les insectes nocturnes, nous avons à nous laisser attirer par la lumière, à quitter notre monde des ténèbres et à marcher résolument vers la lumière. Puisque nous célébrons Noël, fête de lumière, que chacun, chacune de nous quitte ses ténèbres pour mener une vie de lumière et de vérité. Et nous ne construirons jamais une société sérieuse, une société de paix et de réconciliation, si nous ne prenons pas cette résolution d'aller vers la lumière en laissant de côté nos œuvres des ténèbres. C'est à cela, justement, que nous invite Saint Paul dans la deuxième lecture. Nous avons entendu. La lumière nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, selon la justice et la piété. La lettre de Saint Paul à Tite, chapitre 2, verset 2. Notre société se meurt. Notre pays recule. Notre pays est en danger déclaratement, tout simplement parce que nos cœurs sont remplis des œuvres des ténèbres qui viennent du méchant. Et ces cœurs remplis des œuvres des ténèbres se caractérisent par la haine, le vol, le mensonge, le viol, les injustices de toutes sortes, comme nous connaissons dans ce pays, les tueries, etc. Si nous accueillons l'enfant Jésus avec un cœur ouvert, si nous sommes heureux de célébrer avec les anges du ciel la venue de l'enfant Jésus dans notre monde, prenons la résolution d'aller vers la lumière, cette lumière du Christ, pour construire un commun nouveau, comme nous avons le dit dans notre hymne national, un commun plus beau qu'avant. Un commun qui est sorti du règne des ténèbres et puis surgit dans la lumière du Seigneur. Un propos dans lequel nous posons des actes de lumière, des
des actes qui nous font grandir, des actes qui font honneur à Dieu. En naissant parmi nous comme un petit enfant, le Christ s'identifie principalement aux plus petits et aux plus fragiles de notre société. La visite à la crèche devra traduire notre marque d'attention envers le plus petit de la société, envers le plus fragile d'entre nous qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de notre assistance. Ne restons pas indifférents à la souffrance de nos frères et sœurs, auxquels le Christ s'est identifié. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Noël, si nous le célébrons avec un cœur sincère, la fête de Noël sera pour nous une fête de rapprochement avec Dieu, une fête de rapprochement avec nos frères et sœurs. À l'aube de la nouvelle année qui s'annonce, puisque nous célébrons le jour de Noël, ça signifie que la fin d'année est proche. À l'aube de la nouvelle année qui pointe déjà à l'horizon, je voudrais ici vous exprimer toute ma gratitude pour vos prières, vos diverses marques d'attention et vos soutiens multiples qui ont marqué, qui ont jalonné cette année, particulièrement pour mon ministère. Sacerdotal, épiscopal, ministériel au milieu de vous tout au long de cette année. Je sais que vous avez prié pour moi et vous continuerez encore à prier pour moi. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude ici et j'entends surtout sur chacun, chacune de vous l'abondance de grâces divines pour l'année qui va bientôt commencer, qui s'ouvre et que je place sous les signes de la réconciliation et du service au plus petit. L'année de l'attention au plus petit, l'année de service à rendre au plus petit de notre communauté. C'est justement à cause de cette attention que nous avons apportée au plus petit de la communauté que j'ai mis sur pied le service diocésain de la diaconie, où toute personne peut directement agir en faveur de plus petits, en faveur des pauvres, en faveur des démunis. Et nous devons toujours partir du principe que dans ma vie, je trouverai toujours un plus petit que moi. Je trouverai toujours un plus besogneux que moi, qui aura besoin de mon assistance, de mon attention. Bannissons l'indifférence. Bannissons l'aveuglement devant la misère des autres, devant la souffrance des autres. Cette insensibilité, cette dureté de cœur qui caractérise aujourd'hui l'homme. En donnant l'exemple du bon samaritain, nous invite à réfléchir sur la façon dont notre cœur doit fonctionner devant la misère d'autrui.
Puis c'est la Vierge Marie, proche de Jésus à la crèche et au pied de la croix, vous entourez de sa proximité maternelle en toutes circonstances de votre vie pour que la nouvelle année 2020 vous soit une année de grâce, une année agréable pour vous-même et pour vos familles. Avec ma bénédiction apostolique. Amen.
traverser de l'autre côté où brille la lumière de l'enfant Jésus qui est né au milieu de nous.
Je suis convaincu qu'en faisant ce pas, ce saut qualitatif, ben, c'est notre condition de vie et de notre vie qui s'en trouvera améliorée. Vous avez parlé du massacre de Béni et vous comptez vous y rendre. Pourquoi et quand? Ben, vous connaissez mon programme, je crois que ça a été rendu possible. J'arrive à Béni ce vendredi pour une visite pastorale, une visite fraternelle et apporter ma sollicitude pastorale à une partie de notre peuple qui souffre injustement. Je crois que le meilleur cadeau que je peux faire à ce peuple, c'est être là et partager sa condition. Buna Bethlehem, mwana ame butuka. Banzio na Zulu, ke yangalala. Bantu na Ntoto, ke leimba na kiesi. Bet.